grande fierté, voilà, je me sens très honoré. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance de la recevoir, la médaille. Donc voilà, c'est un grand honneur pour moi. Et donc voilà, je vais essayer de continuer à l'honorer comme il se doit. C'est un travail qui a été fait durant un ou deux ans, on va dire, où on a commencé à l'aider un peu dans les quartiers. Et on a commencé à discuter avec les jeunes, à parler avec eux de la vie, de tout. Et ils ont posé des questions sur le foot. Nous, on y a pris goût parce qu'on a vu qu'on pouvait aussi les aider à moins faire de bêtises ou à plus du tout en faire. Donc voilà, comme j'ai dit, on y a pris goût et on a commencé à vraiment s'investir. Et après, bon ben voilà, jusqu'à ce que ça devienne presque une habitude. Maintenant, quand on va dans les quartiers, ils sont habitués à nous voir. Mais ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait et qui commence à payer. D'un point de vue sportif, on va dire que c'est eux nos premiers supporters. Donc c'est vrai que déjà c'est important d'avoir une certaine proximité avec eux. Et puis après, par rapport à l'échelle de la vie, on va dire c'est important parce qu'on peut réussir à sauver des gens, à éviter peut-être qu'ils aillent en prison ou qu'ils fassent rien de leur vie. Donc voilà, essayer de leur donner goût au football et au sport en général. Et puis pour les plus jeunes, voilà, peut-être qu'ils intègrent le centre de formation ou je sais pas, mais qu'ils arrivent à s'en sortir.